ramasser ça? Voilà. Et en plus, c'est des bonnes petites surprises hein, quand on regarde. C'est sympa. Bon, j'imagine qu'il y a aussi des mauvaises surprises hein, quand on regarde le zombie de neige qui court. On n'a pas forcément envie de se retrouver face à ça, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, toi t'étais fermé. Ah bah c'est par ici. Où est-ce qu'on va les poser nos murs de flagstone pour que ça serve à quelque chose? Bah là, en fait. Voilà. On va remplacer les fenêtres. Comme ça, le bas sera sécurisé. On sera bien. Quoi? Ah, ok. Hop, c'est l'ancienne. Voilà. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Hop, alors toi ici. Hop. Par contre, je trouve le coffre est démesuré. Je trouve qu'ils auraient dû le faire un petit peu plus cher. C'est que moi que ça c'est moi qui dis ça, hein, mais... Alors, apparemment on a fini. Donc, vous avez gagné vos skill points. Et donc... Spend them by accessing your inventory, navigation to skill menu, donc aller vers le menu des skills, pour pouvoir les dépenser et locker de trader. Si on allait vite au trader, je pense qu'on a juste encore le temps, non? 20h, oui, on a juste encore le temps. Je pense que c'est lui qui est juste à côté. C'est ça? Non? Il est où le trader? Oui, c'est lui. Nickel. En plus, on est génial, on est juste à côté du trader, mais vraiment, juste à côté, quoi. On va aller voir s'ils vendent des petites choses qu'on connaît pas. Ça pourrait être sympa. Bon, on n'a rien pour acheter, mais... Là-bas, il y a un bûchard. Pourquoi il y a des bûchards qui sont pas dans le... Pourquoi on n'est pas dans le biome neige, là C'est tout. On se calme. Toi, on ramasse. La stripeuse. On va la tuer, la stripeuse. Ah, c'est pas une stripeuse. Oh, mais elle est jolie, elle aussi. Oh, mais ils sont trop sympas. Ouah. Mais oui, des Spiked Club. Bon, le nôtre est plus intéressant, mais... C'est quoi, ces trucs-là? Bon, toi, t'es pas très jolie, par contre, hein. Ne m'en veux pas. Ah, c'est pas des bûchards. C'est moi ou elle s'appelait Martha? Ouais, ok. Tant que c'est pas Bertha. Martha et... Oh. Ah! Oh, mais tu sors d'où, toi? Mais je t'ai pas vu! Mais tu sors d'où? Mais... Elle est pas morte. Voilà. Oh, mais elle m'a fait trop peur. C'était pour vous réveiller, ça, les gens. Voilà. Vous dormiez un petit peu sur le chat, j'ai l'impression. C'était pour vérifier que vous étiez tous bien réveillés. Là-bas, il y en a encore un. On va rentrer et voir. On ferme. Ferme. Alors, coucou monsieur. Combien? 20h30, on attend. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Reinforce arrow, reinforced crossbow bolt, pourquoi pas? Flashlight, on a une faux, pourquoi pas, c'est nouveau. Toute la décoration qui peut s'acheter, snowberry juice, du cheese, nice, fried egg. Oh, merci, les œufs vont servir à quelque chose. Splint, insulateur, ah, on va avoir des problèmes avec les plantations, du coup. Les petits problèmes dans ma plantation. Diamond auger. Oh Diamond auger, les gens. Je suis contente. Le CMED mixeur qui fonctionne. Attendez, il avait pas l'air d'avoir Tomstead. On peut faire les... Ah oui, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça dans le CMED mixeur les... Pourquoi? Oui, on a faim. J'ai compris qu'on avait faim. Et elle fonctionne. Oh, on peut me mettre en peinture. Oui. Oui.
Oh, il y a des trucs spéciaux là. Du beaker et ça, très bien. Dis-moi que la workbench elle fonctionne. Non, la workbench elle est ici à l'intérieur. Dis-moi que la workbench elle fonctionne. La workbench en général elle fonctionne jamais ici dessus. Et elle fonctionne, elle fonctionne, elle fonctionne, elle fonctionne. Et I'm happy, I'm happy, I'm happy, happy. Bon, la porte elle va se fermer hein, donc on s'en fout. On avance. 21h, ils vont courir dans pas longtemps donc. Let's go, rentre home, back à la maison. Restez sage avec Lynn Smith, ils sont toujours sages avec moi. Bon courage, Dax. Et à dans 2 mois. Alors. Wapa. On est bien. On est très bien. On a du bois? 133, ça va, on est bien. Est-ce qu'on peut casser ça? On va casser ça. Hop. Alors, en fait, on a soif. Donc, il serait, avant de faire ça, ce serait bien de regarder ce qu'on peut faire. Alors, ici, on peut rien faire. Par contre, on avait ça. On pourrait peut-être aller chercher de l'eau. On a de l'eau, là. Mais attendez, on va d'abord regarder. On a des bols. Là. Est-ce qu'ici dedans, on a quelque chose qui pourrait nous faire prendre de l'eau? On n'a pas les canettes, hein. On n'a pas de canettes. Par contre, ce qu'on pourrait faire... Bon, on a de l'eau purifiée là-bas. On a... Attends. Attends, attends, attends. Toi, là. Bah, viens ici. Voilà. 21h20. Oui, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud. Mais en parlant, on a nettoyé, donc ça devrait pas... Pas trop, trop respawn. Avance, vite, cours. On a notre abri de fortune si jamais. Vraiment, on a besoin. On s'en sort pas. Vas-y. Hop. Voilà. Non, tu ne bois pas tout ça. Tu rentres à la maison. Oh, j'adore le jeu de lumière comme ça. Je trouve ça joli. C'est rouge et un peu rougeâtre comme ça, avec les arbres. Comment je monte? Comment je rentre à la maison, du coup? Comment je rentre à la maison? Dites-moi, comment je rentre? Hop, on va se mettre son bedroll. Ça pourrait être sympa de ne pas devoir respawn à 150 mètres. Voilà, on va récupérer ça. Ouais, celui-là, là-bas, c'est pas nous qui l'avons posé, donc on peut pas le récupérer. Et on est bon! Alors maintenant, ici, ça on peut pas, ça on peut pas. Alors on pouvait... Apparemment, attends, faire du water sur nous, c'est ça? Non, c'est dans un feu de camp. Si, là, avec une tablette pour purifier. Ah mince! Fresh bottled water, well, as fresh as you can, get in the apocalypse, craft an advanced campfire and stove. Ah, alors, advance. On me l'avait dit, mais voilà, comme ça, je teste pour quelqu'un qui commence sans qu'on l'aide. Advanced campfire. Cooking pot, on a et twine, est-ce qu'on a les deux? On en a qu'une. Est-ce que je peux faire une twine? Alors twine, please. Non. On peut pas les crafter. Et bienvenue jeune. Alors, on ne peut pas les crafter. Aïe, ça par contre ça va être un problème. On ne peut pas les crafter, on ne peut pas les crafter. Advanced Forge. Oh, scrap Iron. Avec deux. Il en faut toujours deux, c'est bête, on n'en a jamais retrouvé qu'une. Blacksmith Station avec une anvil. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pour la forge? Le bellows toujours. Le bellows j'imagine qu'il se fait toujours avec... les pots, avec les 20 lasers. Oh! Mais attends! Combien on va en avoir? Oh mais non! Il m'arnaque! On n'a plus du laser! Mais non! On n'a plus de laser! Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si! On peut en faire! Combien? On peut pas! Alors, le laser peut être machin, très bien. Et ça?
can be combined to make leather craft in drying rack. Oh, drying rack. Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce mode. J'adore ce mode. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Du animal hide, d'etwine. Ça va, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Bon, allez. Alors. Mais de rien, Dax. Alors, on va essayer de commencer. Estove. Donc, on m'avait dit, ou sinon, dans le stove. Iron stove. Évidemment, il nous faut plein d'iron, donc ça va pas être possible. This work it can be used to cook complex recipe. Oh, ils l'ont ajouté! Il est génial. Il faut faire. Oh, il nous faut ce. Il nous faut ça. Oh, mince, il nous faut plein de choses, les gens. Comment est-ce qu'on fait? Bon, first thing first. Torche. Déjà, pour qu'on voie la nuit. Torche. Pas trop. Une ou deux. Torche. Voilà. Est-ce qu'on peut? Animal fat. On a de l'animal fat. On n'a pas de close, mais du bois, on doit en avoir. On n'a pas de close. On n'a pas de close, mais ça, on peut le scrap. Ça va nous en donner. Close. Close. Ok. On avait du coton aussi, non? On n'avait pas de coton? Oui, on avait deux cotons, on aurait pu. Oh, c'est pas grave. Animal fat. Ok. Bah vas-y. Fais-nous une torche. On va casser tout ça en attendant. Hop. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ça? On va rentrer. On va arrêter de faire du bruit. Et on va juste regarder un petit peu par rapport aux skills s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Bon, ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Alors attendez. Si vous voulez une cuisine toute équipée dans 7 Days, appelez-les. Ah mais tout à fait. On dirait un boss. Je sais pas ce que c'est que cette chose, j'ai pas envie de le rencontrer maintenant. Non, je n'ai pas envie. Bon, alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut crafter en attendant. Je pense qu'on va devoir on va le trouver, on va le voir, on va le rencontrer assez vite. Surtout qu'il commence à y avoir beaucoup de monde dehors. On commence à les entendre se avancer. Alors, tout ça, on pourra pas. Parce qu'il faut des skills. Ok, très bien. Alors, dans le building, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Campfire n'étant pas nouveau, Flagstone Corner rond. Oh, en plus, ils ont rajouté plein de blocs un peu particuliers. C'est super sympa. Et regardez-moi tous les Flagstones qu'ils ont mis. Du bois, donc ça, on connaît. C'est pas un souci. Les blocs en wood. Ouais. Par contre, c'est lent hein, pour aller d'une page à l'autre. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ammunition table. Eh, rien en arrière. 2 secondes. Ammunition table. Très bien. Ouais, ça prend quand même une wrench et ça reprend quand même un clawhammer. Hein. Un yeti zombie qui drop la nuit. Oui, pourquoi pas, peut-être. Un zombie albinos. La chose qui s'est échappée de l'asile ou du labo du coin. Oui, ou de la secte, peut-être. Vous savez, c'est le gourou de la secte. Oui, peut-être, voilà, c'est ça. Je pensais exactement la même chose. Mechanical part, 50 bois. Et 15 forgettes iron, d'accord. Candle. Ceiling. Sérieux? On peut avoir un ventilateur? Custom butch, ça, machin. The deer blind is perfect for hunting animals or other things. Mais c'est des bâtiments, ça, carrément! Drying rack. Ok, ça, on pouvait pas le faire. On n'a pas. Food prep table. Mais ça, je veux. D-nails. Foot prep table, je veux. Iron stove, donc ça on avait regardé, on pourra pas spécialement le faire. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver du fer et mettre tout au vendeur, mettre assez de bois dedans pour que ça passe toute la nuit et ouais, vas-y, 10. Alors, saute, starting shack, stock, treillis, snider for red wedding. Mais! Bonne nuit, Sargeras!
Lynn ne sait plus où donner de la tête. Ah ouais, non, là, franchement, plus du tout. Looks like service is just as efficient as it was when people were leaving. Des boîtes aux lettres. Pourquoi pas? Alors là, ça va être tout ce qui va être concrete. Ouais. Adhésif trap, advance forge, advance workbench. C'est quasi ce qu'il faut pour notre workbench normal. Blacksmith station. Blacksmith station, on pourrait l'avoir assez facilement si on va à la forge là-bas. Décoration. Decorating station! Il me faut celle-là! Il me faut ça! Par contre, vous voyez le nombre de wrench et de hammer qu'il va nous falloir? Ta faim et ta soif. Oui, vous inquiétez pas, on est bien. On a 12%. On est. Dyeing station! Oil raffinerie. J'ai vu qu'on pouvait faire du rhum, du whisky et tout ça aussi. C'est super sympa. Research table. Can be used to brush up on your skill. Use knowledge points to unlock more classes and gain skill points. Oh, ça c'est intéressant. Storage chest, on s'en fout. Tailor station. Weapon station. Weapon station. C'est quoi la différence? Ce qu'il faut pour la faire. Ah, et la workbench est beaucoup moins chère. Il faut que 10 mechanical parts. Bon, il faut 15 forgettes iron, mais bon, ça c'est... Ça va encore. Donc, je sais plus quoi faire, les gens. Là, franchement, je suis perdue. Daryl would be prized. Ah, mais non, mais on a tué zéro. Using wooden bow. Ah, il faut quand même qu'on utilise notre... Ah, et là, on doit se mettre en hide, en fait. Animal hide boots, hide chest, twine 25, ok. Return to the clubhouse. Return to the clubhouse. Locket de trader, ok, très bien. Ah oui, c'est par rapport au fait au petit message qu'on a eu en début où il dit on a dû te laisser là parce que il s'est passé quelque chose au club et tout ça. Donc là, en fait, il nous faut le bow, mais du coup, il nous faut des flèches. On peut pas utiliser tous nos arrow bolts, nos crossbow bolts avec. Donc alors, on va remettre tout là-dedans. Je sais pas si vous entendez. Vous l'avez pas entendu? C'est moi ou il y a un enfant qui a crié, qui a chanté? Je deviens folle, les gens. Je crois que je deviens folle. Je suis persuadée que j'ai entendu un enfant chanter. Ça me rajoute que 2 et on a 16%. Ah. C'était un hurlement de loup-garou. Non, 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 non. Franchement, j'ai vraiment l'impression que j'ai entendu un enfant. Va voir. Non, mais vous avez vu ce qu'il y a dehors? Vous avez vraiment envie que je sorte? Vous l'entendez? Ah oui, non, on l'entend vraiment là. Ah, par contre, il y a un truc qui va grimper, qui va venir me voir. Il faut qu'on ferme. On a vu le... Ouais, voilà. On a vu un... Ça va passer, ça va rentrer. Je suis undetectible, donc on va essayer de pas faire de bruit. Où est-ce qu'elle est? Elle est à la porte en bas. C'est un chant d'enfant. Ouais, oui, il y a un chant d'enfant. Elle est en train de casser la porte en bas. Ah, elle est là. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça.
Oh, quelle horreur! C'est un bébé! C'est un bébé zombie! Attendez, on va le laisser passer pour voir un peu ce que c'est, mais c'est un bébé zombie! Pas maintenant! Pas maintenant! C'est censé être un bébé zombie! Mais c'est horrible! Je peux pas jouer ma souris. Oh, mais c'est horrible! Oh, mais c'est horrible! Non, mais quand est-ce qu'à un moment un développeur se dit que c'est censé être une bonne idée, un bébé zombie? Mais c'est horrible! Mais non! Tu fais pas ça! C'est pas une chose à faire! Mais non! Mais non! Mais quand est-ce quand est-ce que tu te dis un bébé zombie c'est une bonne idée? Quand dans ta vie de développeur tu te dis que c'est une bonne idée? Mais non! Non, c'est pas une bonne idée, mais c'est jamais une bonne idée! Ok, je crois que vous avez compris que c'est pas une bonne idée. Mais oh! Mais non! Non, tu fais pas ça! Tu peux pas faire ça! Oh! On aurait dit un nain. Oui, d'accord, mais bon. Là, c'était clairement censé être un petit bébé, hein. Attends, petit bébé. Ouais, il y a des grands bébés. Je suis désolée, il y a des grands bébés. Ah! Je sais pas! Un enfant zombie. Je trouve ça déjà limite, mais ok, ça peut rester logique, mais pas un bébé zombie, non, je suis pas d'accord, non. Non. Oh, on avait pas looté ça. Bah voilà, ça c'est fait. On va casser ça. Ça rend le jeu plus réaliste. Oui, mais il y a d'autres choses qui rendent le jeu plus réaliste sur lequel il pouvait passer avant, tu vois, que de faire un bébé zombie. Désolée, vous avez compris. Alors ça, on va pas la laisser là, parce que sinon, on va... Faudrait qu'on la mette au niveau 3. Pour pas que les zombies passent et la cassent. Voilà, comme ça, là, ils la casseront pas. Oh, mais non. Non, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. Autant... Oui, non. Là. Je suis d'accord que c'est logique. Je n'ai absolument rien par rapport à ce genre de jeu, mais... Ma morale me dit, non, vous faites pas ça, quoi, les gens. C'est pas... Oh. Ça fait de moi un tueur de zombies, de bébés. Un tueur de bébés, quoi. C'est plus... Non. Bref. Je crois que vous avez compris que je n'étais pas pour ce genre de choses. Alors, on va travailler un petit peu sur le dessus. Si on a l'air d'être undetected, il y avait des zombies qui arrivaient... Mais j'ai l'impression que je reconnais les bruits. Donc là, ça va. Par contre, il va nous falloir à manger. Hein. Ça va être le souci. Alors, j'ai une tomate là. J'ai de l'eau. L'eau, ça va encore. On n'a pas grand chose à manger. Alors, je suis désolée, mais il avait du lait de soja sur lui. Hein. Donc, ne me dites pas que c'était un nain. Hein. Non, tu n'as pas faim. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas faim. Hop, ça, on va le retirer. Ça, on va les garder avec nous. Alors, il va nous falloir notre bow, du coup. Et nos 6 flèches. On va aller loin avec nos 6 flèches. Et notre bow level 25. Donc, ça, on va le mettre ça là. On va reprendre ça. On va reprendre les... On doit avoir des flèches. Des petites plumes. Elles sont là. Ok. Alors... 6, on va refaire des sticks. Alors par rapport aux sticks, avec un bois, tu fais un stick, c'est ça? Ok, ça va. J'allais dire avec un bois, tu fais un stick, c'est un peu de l'arnaque, moi je trouvais. On va faire... Vas-y, fais-moi... 30, c'est peut-être un petit peu beaucoup, hein.
6, 9, 12, 15. 15 flèches, on va essayer avec 15. Allez. On va essayer avec 15 flèches. Et alors, tu peux me faire des arrowheads. Arrowheads. Voilà, on va en faire 11 si on peut. Attends. Là, des arrowheads avec une pierre, on fait une tête. Ça me semblerait logique. Oui, c'est ça, ok. Bah alors, 10, s'il te plaît. Allons-y. Tu devrais peut-être poser ton lit. Ah oui, c'est une bonne idée. Paraît une excellente idée. Il y en a qui suivent, c'est bien. On va le poser en plein milieu. Voilà. En vrai, ce que j'aimerais, c'est ouvrir le sol ici et mettre des iron bars. Comme ça, si jamais il y en a qui rentrent, ben, on peut les tuer d'ici en haut. Alors, toi, on va te casser. Ça ne sert à rien que tu sois là. Ça va nous donner du plastique. Je pensais que c'était du papier, mais du plastique, ça me va aussi. Voilà. Alors, on a de quoi faire. On a le temps de mourir hein, pendant la nuit, si jamais... Je suis à 6% là. Là, ça commence. Il faudra aller chercher au moins des snowberries demain. Tiens, est-ce que... Fish? Est-ce que fish? Camping, fishing... non, ok. Apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir... Il n'y a pas moyen de pêcher dans ce jeu. 5% nourriture. On va peut-être devoir manger notre tomate comme ça. Hein. On avait fait tout? Ouais, on avait fait tout. Toi, on va le casser. Ça va pas nous donner à manger. Mais bon, c'est déjà ça. Hop, voilà. On a tout nettoyé. Service de nettoyage, Lynx, à votre service. Que désirez-vous? Voilà, lui, on va la garder. Alors, toi, on va te mettre comme ça. Toi, on va te mettre comme ça. On peut faire nos arrows maintenant. Arrows. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. 15. Plus les 6 qu'on a, je pense qu'on est pas mal. Et on doit tuer 25 zombies. Ouais, non, en fait, ce sera pas assez. On n'a pas fait assez. Parce qu'on a 25 zombies à tuer. Combien on a de... Bon, on a plus que 13. On va déjà commencer avec ça. Regarde si tu peux prendre de l'eau au robinet. Ah, j'ai plus de containers de vide. Ici, j'en ai un. Alors, c'est pas tellement l'eau qui va me poser souci, je pense que c'est plutôt la nourriture qui va me poser souci. Viens. Non. Non, on peut pas. Par contre, on peut peut-être crafter le l'évier pour sink. Working, oui, c'est ça, il y en a qui fonctionnent. Il fonctionne. Donc si on fait ceci, on peut aller avec une bouteille et remplir notre eau à chaque fois. Donc ça, en fait, il va nous le falloir, mais ASAP. Ça, c'était dans le Val Mode. Je trouvais ça super sympa. Alors par contre, on va regarder un peu nos skills, du coup. Alors, Blunt Weapon, on a 15 points. On pourrait se mettre des points dans quelque chose. Blunt Weapon... Blade Weapons Missing, Blade Weapon Bow Weapons Missing, Primitive Crafting, Basic Tools Weapon Fast, Better Quality, Decrease the Penalty, Increase your skill from Crude to Novice, Apprentice. Très bien. Ça, à mon avis, ça a à voir avec les classes. Donc, Science, Armor, Survivor, Camel, Mortar and Pencil. Oh, purée, 2%. Allez, laisse-moi sortir de là. Voilà. Bon, on a une tomate. On peut manger comme ça. Le vinaigre, ça nous donne moins 30 en vie. Non, on va pas manger ça tout de suite. On va peut-être pas manger le vinaigre tout de suite. Hein. Recipe. Rotten Harvest. Mais pourquoi? Dans des salades avec des concombres, des carottes, pourquoi pas. Tomato seed. Salt, bottle of water. Des man... Ouais. De la tomato soup, Advanced Campfire ou Stove, oui très bien, mais on l'a pas, donc on va la manger comme ça pour le moment. Ça va faire remonter à combien? 4%. On est nulle part.
Et les œufs, on peut même pas les cuire, les œufs. Le lait, 5 en stamina et 10 en hydratation. Ben écoutez, les gens, je crois qu'on est mal en fait en point de vue nourriture. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oh, on a une bouillie. Ah, bah oui, c'est la soupe qu'on a bu, ça. On est assez mal en fait, hein? Les œufs vont nous donner plus 3, mais vont nous retirer de la stamina. Bon, ça, c'est pas grave. On va avoir un effet poisoning, on a 40% de chance. On va essayer, on va les manger comme ça, on va les gober. Mais on va les faire un par un pour essayer de tenir la nuit. On va pas les enfourner si pas besoin, quoi. Surtout que ça va nous donner une chance d'être malade à chaque fois. Donc, genre, quand on retire de la vie, du vinaigre dans la vie, c'est. Ouais. C'est particulier le vinaigre. J'ai pas très très bien compris le pourquoi du comment, mais. Bon, on va essayer de sortir un petit peu. Je me demande si à rester à rien faire, je serais pas. Je perdrais pas moins de vie. Enfin, moins de faim que. Je sais pas si ça joue. Je ne sais pas si ça joue. Alors, on va faire notre échelle juste là, contre le mur. Tu as un vieux sandwich, c'est vrai? J'ai pas vu. En fait, ces trucs sont tellement grands, c'est quoi ça? Oh, mais on a une ration, 70% de fullness là. Eh ben, let's go! En fait, les coffres sont tellement grands. Voilà, mais je sais pas de quoi vous parler, mais quel est mon prix? Il n'y a pas de soucis, les gens. On n'a pas de soucis. Pourquoi vous voulez me faire manger un vieux sandwich tout pourri? Mais pourquoi? On n'a toujours pas de. Non. Pas. On va le mettre là. Ou on va le mettre ici, ça me paraît bien. Alors, du ladder, s'il vous plaît. Je crois que c'est 5 qu'il nous en faudrait. Voilà. Alors, là-bas, c'est le niveau au sol. Donc, à partir de là, 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 on est bien. Ah, vous savez, attendez. Ah, mais il y a le machin là-bas encore. En fait, c'est bête, vous savez quoi? Je m'étais dit, j'irais bien essayer de le tuer, mais maintenant que je viens de manger et que je suis full en vie, en nourriture, c'est un peu bête. Ça, c'est un worker, donc lui, je m'en fous. Ça m'a l'air d'être, vous savez, les. Ah, mais il y en a tout plein, en fait! En fait, on va attendre 4 heures du matin pour voir s'ils dépopent. Comme ça, s'ils courent et qu'ils sont pas censés courir. Mais on est entouré, en fait, il y en a partout, il y en a encore un là. Mais c'est moi où ils ont dépop? Je vois plus l'autre. Il y en avait un ici. Il est où? Je les vois plus. Celui-là. Ah là, là-bas. Ok, on le voit. C'est comme un moche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tire, tu verras déjà. Bah ouais, c'est ça. Tire. Bah ouais, viens, viens tirer, toi. Je suis une petite. Ah, par lui, là. C'est pas grave. Par contre, si lui me chasse, il risque de me faire chasser. Je risque de me faire chasser partout. Ouais. J'ai cru que. Le truc là, j'ai cru que c'en était un qui m'arrivait dessus. Où est-ce qu'il est? Et il est en train de casser là, lui là! Qu'est-ce qui t'a permis? Vas-y, casse, moi comme ça j'aurai une
Mais c'est ce truc-là, moi, qui m'intéresse. C'est particulier, hein. Il casse quoi, lui? Non, ça va, c'est une chaise. Non, non, je suis pas parano du tout. Je pense pas qu'il y en a un qui m'arrive dessus tout le temps. Avec une chaise, avec... Non, non. Oh, oh. Ah ben... Voilà. Ils sont là. C'est le monsieur là. On va voir combien de vie il a, du coup. Où est-ce qu'il est? Laisse-moi tirer dessus. C'est quoi? Ah! J'ai cru qu'il avait monté lui par contre. Ok, on l'a eu. C'est moi ou lui, il a cassé le truc sur lequel j'étais, là, salopio, là. Par contre, on est mal, hein. Si les autres vous arrivent dessus. Carparts. C'est quoi ce truc? Et si je le casse? C'est un zombie normal. Mais ils restent là, les zombies, en fait. Ils restent là. Par contre, je sais pas si vous avez vu le dommage qu'il fait, quoi. Il a cassé le bloc, mais en moins deux, quoi. On va essayer de le voir, de le tuer. Vous entendez? Vous avez aussi entendu un truc secte, machin? Vous croyez que ça a à voir avec ça? Bon, il est pas très très rapide. Du coup, ça aide. Mais il y a un zombie derrière moi. On va essayer de retourner par là, du coup. Parce qu'il y a un zombie... Purée, combien de volts il faut? Quoi? J'arrive pas à entendre ce qu'il dit. C'est son attaque spéciale, ça, c'est ça? Je suis à combien de flèches, à combien de crossbow là? Il y a un zombie derrière moi. Ils ont faim? Ok, très bien, mais... Oh purée! Dites, il y a moyen de le tuer? Ils sont indestructibles ou... Vas-y, on va essayer aux pompes. D'accord. On va éviter de se frotter à eux. D'accord? Vous êtes d'accord. On va éviter de se frotter à eux. Déjà, si tu tires dans la tête, tu pourrais être mieux. Bah écoute, en même temps, j'ai tiré dans la tête je sais pas combien de fois, donc... Allez, viens ici. Toi, viens. Allez, viens ici. Très bien. En fait, avec lui non plus, j'ai pas spécialement envie d'aller au corps à corps. Maintenant, si ça tourne, marche toujours mieux au pont. Oui, mais bon, mon pompe est quand même que 56, hein, donc quelque part... Bon, il nous faut à manger. Bon, attendez. Oui, on peut remonter par ici maintenant? On était en ordre. On était en ordre par ici. On est bon. Alors ici, pour le moment, on va le laisser. Est-ce qu'on a quelque chose sur nous? On va aller tout ranger. Non. Il faudra enlever ces escaliers-là parce que sinon...
On va à chaque fois, on va... Je vais vouloir passer par là. On va le mettre dans le coffre. Tout ça. On regardera pendant la nuit ce que c'est que ce machin-là. Voilà, Stone Axe. On va la mettre là. Ah oui, c'est vrai, il faut que je kill des zombies à l'arc. Ok. Voilà. Bon, si on essayait d'aller... faire un petit tour en ville, ça me paraît un peu suicidaire, hein. Mais bon. D'habitude, quand tu joues, j'ai pas peur, mais là, je suis un peu flippée. Je suis pas certaine... Ça... Enfin... Ouais, c'est un peu stressant comme mode, mais ça va encore. C'est pas... Mais c'est tout nouveau, on connaît pas... Oh, là-bas, il y a de la viande. Toi, là-bas. La bibiche, là. La bibiche, là. Il y a un lapin, avec. Ah, on a visé trop haut, là. Mais, ah, tu te retournes au moment. Bon, on va s'amuser avec les zombies. Ah oui, il y a tout de suite un petit peu plus de zombies en ville, hein. Mais tout de suite un petit peu plus que la première fois où on a visité la ville. Du coup, un petit pull, pourquoi pas. Ah, elle fait un bruit qu'on connaît. Mais c'est une nouvelle aussi. Allez, viens là. Il y a les oiseaux qui chantent. Bonne soirée, Hunter. Bon courage pour demain. Ok. Elle est assez rapide. 23 de stamina, par contre, on va faire un peu attention. J'ai pas l'impression que j'en ai un derrière nous. Si, alors ce qu'on va faire, on va essayer de... Attends, recule. Ça m'a l'air d'être des petits zombies. Eux, on va peut-être pouvoir les tuer avec nos petites flèches. Oh! Il y a... Mais tu... Tu veux... Tu veux... Alors, ouais, je crois qu'il nous faudra un petit peu plus de flèches que ça, hein. Du coup, si on doit les tuer... aux flèches... En fait, il nous dit qu'on doit utiliser le bow, mais il nous dit pas qu'on doit utiliser des flèches en pierre. On pourrait se faire des flèches autres. En vrai, il faut du laser. Il nous faut une forge. Dans le désert, t'as des cactus à manger, non? Oui, c'est vrai qu'on pourrait retourner dans le désert, qui est un peu plus par là. J'ai envie de découvrir la ville. J'ai envie d'avancer un tout petit peu vers la ville. Le problème, c'est que tout ça va spawn aujourd'hui, il faudra leur faire des pop demain. Mais bon... J'ai envie aussi un peu de découvrir les nouveaux zombies et tout. Parce que c'est des trucs qu'on connaît pas. Donc bon, même si au final ça change rien, hein, ça reste des zombies, ils font rien de spécial. Mais c'est quoi là-bas? Il a l'air de marcher. C'est pas un... Non, c'est un zombie. Je me demandais si c'était pas un pêcheur. Mais au moins comme ça on voit à quoi il ressemble. C'est sympa de voir aussi à quoi il ressemble. Qui dit désert dit serpent. Ah ouais, c'est vrai qu'on les a remis du coup. Mais comme on l'a généré qu'il n'y avait pas de serpent dedans, peut-être que dans la partie qu'on a fait au tout début, il n'y en aura pas. Tu m'as fait peur, toi. Ah. Allez, viens. Voilà. On va activer la quête pour voir où on en est aussi. Non, tu veux pas mourir? Meurs. Voilà. Ne sois gentil, meurs. Par contre, on n'a plus que 9 flèches, hein. Et les flèches, on sait que c'est une sinécure pour... Twinkies. Oh, c'est des bonbons. C'est des bonbons à l'orange. J'aime pas trop les bonbons à l'orange. Je préfère les bonbons à la fraise. Je comprends pas pourquoi, dans les paquets de bonbons, ils continuent à nous mettre des bonbons d'autres goûts que les goûts fraises et autres. J'ai eu peur. Mais j'ai eu peur, ce coup de vent. Je m'en suis fait
la réflexion, c'était dans War of the Walker, en disant « Mais c'est quoi ce bruit ?» Et en fait, j'avais jamais remarqué qu'ils avaient mis un bruit de vent comme ça. Asmat Glove, pourquoi pas. Et il est fort quand même comme bruit, non? Madame. Oui, madame. Alors, elle, on va la faire ouais, avec ça. Voilà. Pourquoi pas? Bon, ça y est, maintenant, je peux avancer tout doucement. Parce que les gens comme toi n'aiment pas les bonbons à la fraise. Mais comment tu peux pas aimer les bonbons à la fraise? Comment tu ne peux pas aimer les bonbons à la fraise? Ou alors qu'ils fassent des paquets, vous savez? Ah, je recommence à avoir mal à mon œil. Qu'ils refassent des paquets, vous savez, avec que des bonbons à la fraise ou que des bonbons à l'orange ou... Mais c'est rare, hein? C'est bien, on a notre short iron pipe, on les avait déjà tous les deux. Je serais curieuse d'aller voir là-bas, en fait, ce qu'il y a. Ou alors on fait une maison. En fait, là-bas, j'ai peur de me faire... ça... Ouh, le freeze de... Le freeze... Malade. Il y a un zombie. Ok, là-bas. Si c'est un camp de bandits, je vais me faire tirer dessus à vue. Si c'est un deuxième vendeur, on a de la chance. Ça va, c'est un deuxième vendeur. Parce qu'il y a des... Oh, toi, on va te prendre. Il y a des endroits comme ça où, en fait, c'est... les baraques de... Enfin, c'est sur Starvation, surtout. C'est des baraques de vendeurs. Mais il y a des bandits dedans qui font des rondes et tout au-dessus et qui tirent si vous approchez trop près. Alors, viens ici. Coucou, monsieur. Ok, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Ok, alors attendez, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faut des trucs qu'on peut manger comme ça. La bifration, pourquoi pas. Mining helmet, oh purée. Oh, il a du beau en fait, et tout rose, tout rose en fait. Oh, dommage. Ah, la viande déjà cuite. Pourquoi pas. Caliper, le retour du caliper. Hunting knife receiver. Mining helmet. Well, you best do some book learning at Born and Noble, cause you're dumber than dirt. J'avais jamais entendu celle-là. Alors, il nous faudrait de la twine. C'est ce qui nous manque, en fait. Est-ce que tu ne vends pas de la twine? You're not bringing counterfeit money in here, are you? Non, tu ne vends pas de la twine. Alors, peut-être que... Just get the fuck out of here. T'inquiète pas, je m'en vais. Ok, c'est fermé, on est tranquille. On peut l'utiliser... Oui, alors, est-ce qu'ici dedans, on peut faire... Non plus. Très bien. On peut pas la faire, on peut pas la crafter alors la twine, c'est sérieux? C'est le truc que tu as besoin pour faire à manger et tu peux pas la crafter? C'est fou quand même. Alors, la forche. Ah, la forche elle est cassée. Dommage. Ça on va. Ah, on peut pas ramasser, c'est vrai. On va ramasser tout ça. Une wrench qu'il nous faudrait aussi, non? Voilà, il peut s'énerver, hein, avant qu'il arrive à tuer le truc du trader. On n'a pas fouillé le trader non plus, hein. On pourrait... C'est quoi ça? Coca. Du soda, pourquoi pas. Et ça, c'est des bouteilles vides. Plastic bottle. Bon, point de vue haut, on pourra remplir deux. On en a deux, comme ça, on pourra les remplir et les faire cuire dans le petit feu qu'on a. Donc ça, ça va. Destroyed, celle-ci. On va prendre le bois qu'il y a dedans. Et ici dedans, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ici au-dessus, il n'y a rien, d'après mes souvenirs, de lootable. Est-ce que on peut voir... Voilà. Alors, attendez. Toi là. Arrête. J'ai dit arrête. Attends.
Oh mince, elle va attirer tout le monde. Voilà. Ah, attends, tant que t'es au sol. Voilà, nickel. Et un en plus pour notre quête. Et une dans les fesses. Si tu veux pas dans la tête, on va te la mettre dans les fesses, hein. Voilà. Ok, merci bien. Tout ce qu'il faut pas faire. Alors attendez, ici il y a un sac poubelle, on l'avait noté. Ici il n'y a plus rien. Et par ici, il y a juste ce sac-là. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à looter dans ce truc-là. Distributeur, peut-être que tu as. Canne soupe. Je vais lui acheter juste une petite viande pour dire d'avoir de la viande pour après. Ok, Spunker. Mais je crois qu'il en avait de la cuite. We'll get along just fine. Il en avait de la cuite. Alors, la boil. 12, moins 2 d'hydratation. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, elle est moins chère, donc on va prendre celle-là. Voilà, comme ça, on a au moins pour tenir pour la fin de la journée en nourriture si jamais on loute rien. Maïs, je sais pas comment on prépare. Peut-être que ça se fait dans autre chose que la workbench. Oui, mais dans quoi, du coup? Dans quoi ça se ferait? On en a besoin quasi pour tout. Ici. Et voilà. Dans quoi est-ce qu'on la ferait bien? Ah, ils sont des papes, sérieux? Ou alors il faut le looter, hein? Ou alors scraper quelque chose? Workbench station. Ah, il y a une advance workbench. Peut-être que c'est là-dedans. Bah alors ça, on la trouvera pas chez les traders, par contre. Donc il faudra qu'on la craft. Et il fallait quoi pour l'advance? Alors, advance workbench? Bah ouais, c'est la workbench normale, en fait. Il nous faut une wrench, déjà. Pour pouvoir récupérer des mechanical parts. Ce serait déjà pas mal. Chemistry station? De la corde dans une chemistry station? Je trouve ça un peu bizarre, par contre. Vite, on est tranquille. Vite, regardez qui vient nous dire bonjour. Coucou tout le monde. Attends, parce que là, j'entends du bruit derrière moi. Hop, le panier, elle est là. Qui est en or? Vas-y. Voilà, pardon. Je sais même pas dans quoi on l'avait looté, hein. On va aller looter une maison, on va voir. Bah, je crois qu'avec ce qu'on a, une maison, on peut looter. On va looter la première pour voir ce que ça donne. Hop. Alors, on va looter tout. Nip. S'il te plaît. Alors ça, on va en avoir besoin. On va récupérer. On fait des tablettes purificatrices d'eau, là. Hein. Enfin, le purifiant Kinex. Ça fait perdre de la vie, donc bon, faire de la corde dans une chemistry station, tout est possible. En effet, tout est possible. Allez, viens. Déjà, il court pas, c'est une bonne nouvelle. Bon, il se déplace vite, mais il court pas non plus des masses. Voilà. Un deuxième petit sandwich, on ne sait jamais, ça peut être sympa. Je sais pas qui est-ce qui pensait que faire sa maison ici, c'était une bonne idée. Non, pardon, monsieur. Je voulais pas, je vous promets. Ça fait bizarre, quoi. Tu rentres comme ça, il y a le zombie qui passe derrière, qui m'a... Ah, Big Bertha qui est là. Bonjour, madame. Je voulais pas déranger votre mari, je suis désolée. Par contre, il nous faudra des balles de shotgun, hein. Les masses balles de shotgun. Il nous faudra une bonne arme à feu tout de suite, en fait. C'est juste ça. Peu importe l'arme, il nous en faudra une. Alors, est-ce que... Ah, on en a plus. On n'a plus de flèches. Arrête de prendre ton arc, on n'a plus de flèches. Voilà. Non ? Non plus ? Voilà. Merci, madame. Encore ? Mais tout le monde fume sur ce jeu ou comment ça se passe, là ?